le 5 décembre est la journée mondiale des sols. Et nous, à FES, donc depuis 2014, on organise des événements en France. Pour nous, ça ne se cantonne pas juste au 5 décembre. Ça fait une semaine dans un territoire, dans une ville, une semaine où on va parler des sols. Cette année, on était aussi à 4 réseaux avec le GISSOL, le RMT Sol et Territoire et le RNEST pour organiser cette édition de la Journée mondiale des sols. D'autant plus que nous sommes vraiment complémentaires, ça permet de construire des JMS extrêmement riches, attirant beaucoup de personnes. On a commencé par une journée spéciale jeune sur le thème de la JMS qui était le sol dans le cycle de l'eau. 3 doctorantes qui ont présenté leur thèse, qui ont inauguré le dispositif de Ma thèse à l'horizon. On a enchaîné sur 3 émissions spéciales. C'est dans le sol, donc c'est un partenariat qu'on a initié l'année dernière avec Rhizobium qui gère cette émission. Donc ça nous a permis d'avoir une dizaine d'intervenants sur ces 3 émissions. On a poursuivi après le samedi sur une journée de terrain. On a pu visiter la tourbière, comprendre ses sols. Un certain nombre de scientifiques travaillent sur ce site pour accumuler de la donnée et comprendre comment fonctionne cette tourbière. Les participants ont pu s'essayer à la tarière, faire des sondages de sol grâce aux pédologues qui étaient présents avec nous sur le terrain. Le samedi soir, on a eu une conférence gesticomptée. En passant par le conte, on fait appel aux émotions. C'est en fait un peu mon histoire que je raconte, comment moi je suis devenu pédologue. J'ai la grande chance d'être accompagné par un ensemble vocal qui s'appelle Variation. Je trouve que c'est une excellente idée que de faire se croiser des thématiques ou des disciplines qui me semblent être très éloignées. Le dimanche, on a passé toute la journée au Muséum d'Orléans. Plein de partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui étaient au rendez-vous pour présenter un peu leurs initiatives pour interpeller le grand public sur les sols. Pour montrer via des ateliers ce qu'ils proposent en région. La fresque du sol, c'est un outil qui me tient à cœur, qu'on a développé avec l'Association française pour l'étude du sol et qui a vraiment cette vocation à essayer de mettre tout le monde autour de la table. On a aujourd'hui à peu près 140 animateurs, 3000 personnes qui ont bénéficié de la fresque du sol. Ça montre qu'il y a, véritablement un enjeu, en tout cas, à faire connaître et à développer ces actions autour des sols. On a eu une conférence de Marc-André Sellos qui a fait ça le comble. Ce qui compte, c'est que les fonctions vitales pour nous, pour notre environnement, soient remplies. Donc ce qu'on veut, c'est que le sol fonctionne bien. On a eu aussi, dans la programmation de la Journée mondiale des sols, le film « Paysans du ciel à la terre » d'Hervé Payen. Le lundi, journée spéciale acteurs agricoles, donc professionnels agricoles chercheurs. C'était une journée qu'on co-organisait avec les chambres d'agriculture de France. Cette journée, elle nous a permis en salle de pouvoir avoir des échanges vraiment très spécifiques en milieu agricole. Et on est parti l'après-midi sur le terrain. L'endroit où on va sur le terrain pour se former à la pédologie, c'est des fosses pédologiques. C'est parce qu'on a creusé des trous qu'on peut décrire des différents horizons du sol et les profils de sol. Le croisement entre le regard des chercheurs et puis le regard des conseillers agricoles et de tous les professionnels agricoles aussi qui étaient présents, puisqu'on était plus de 90 sur le terrain l'après-midi. On a réussi quand même à mobiliser un certain nombre de collaborateurs du réseau des chambres d'agriculture. Puis ça va dans le sens de ce que nous recherchions finalement en collaborant à cet événement. Nous, agriculteurs, on a besoin d'avoir des scientifiques, des chercheurs qui vont aller beaucoup plus loin que nous, agriculteurs, par rapport à ce qu'on voit. Le mardi 5 décembre, on a eu 20 structures qui ont été représentées, qui sont venues signer le manifeste de la mission Sol. Chaque JMS, on a une quantité de bénévoles et de partenaires, d'adhérents qui se mobilisent pour nous donner un coup de main sur l'organisation de la journée. Vraiment, le réseau des adhérents est précieux dans ce genre d'événement. Ça s'est super bien passé. C'est vraiment une manifestation où tout a été bien préparé en amont et je pense que les gens, en tout cas les échos qu'on en a, sont vraiment contents.